Sacrée sorcière est un film réalisé par Robert Zemeckis, un réalisateur qu'on ne présente plus. Après la trilogie Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou encore mon film préféré all time, Forrest Gump. Et donc, quand on voit qu'il s'adapte à la réalisation d'un classique pour enfants de Roald Dahl, soit l'écrivain derrière Le Bon Gros Géant, Moi Boy ou encore Charlie et la chocolaterie, on ne peut qu'avoir envie de le voir, non? Octavia Spencer, Anne Hathaway, Stanley Tucci, que des grands noms derrière l'adaptation qu'on va décortiquer aujourd'hui. Puisque oui, c'est aujourd'hui que sort en DVD et en Blu-ray Sacrée Sorcière en France, privé d'une sortie au cinéma due à la crise sanitaire. Et donc je suis aujourd'hui là pour vous dire si ça vaut le coup ou non de payer pour ça. À la base, je dois vous avouer que je me suis lancé dans l'optique de passer un bon moment. De voir un film avec un synopsis si mignon, adapté d'un livre qu'on a probablement tous lu quand on était gosse, avec en plus des acteurs qu'en temps normal j'adore respectivement, qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Dans Sacrée Sorcière, vous allez suivre Bruno, un petit garçon qui a perdu ses deux parents dans un accident de voiture et qui est amené à vivre du jour au lendemain chez sa grand-mère. Mais il y a un plus gros problème pour lui qui reste à venir, puisqu'en grandissant, il va faire la connaissance de sorcières, des êtres à l'apparence somme toute tout à fait normales et qui arrivent à se fondre assez facilement parmi les humains. Mais elles n'ont qu'une seule chose en tête, débarrasser la terre entière de tout enfant, et pour ça elles ont un plan, les transformer chacun et chacune en souris à l'aide de leur pouvoir maléfique. Bruno va donc devoir faire équipe avec sa grand-mère, qui a elle aussi eu affaire à une sorcière dans sa jeunesse, et ils vont tout faire pour pouvoir contrecarrer leur plan. Si l'histoire peut paraître assez mignonne dit comme ça, il faut tout de même rappeler que le film s'adresse avant tout à des enfants. Et je pense que c'est là aussi que réside le plus gros point faible de ce film. Parce qu'on s'en aperçoit très vite, là où des adaptations telles Charlie et la chocolaterie misaient tout sur le grand public et qu'on pouvait l'apprécier autant en étant enfant qu'adulte, il faut avouer que c'est pas vraiment le cas ici et que quand on est un adulte, on s'ennuiera rapidement devant. Les décors sont certes sublimes, l'ambiance assez bien retranscrite et la présence d'Anne Hathaway ou d'Octavia Spencer dans leurs rôles respectifs sont appréciés, mais malheureusement, il faut avouer que ça s'arrête là et que le côté wow que j'en attendais, il s'est jamais pointé. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez dommage, surtout quand on sait qu'à la réalisation, il y a Robert Zemeckis, un homme dont le travail est plus approuvé. On pouvait au moins espérer y retrouver sa signature. Et pourtant, on a un peu l'impression de voir un film qui pourrait être réalisé par n'importe qui. On fait donc face ici à un film assez fade, sans véritable identité et qui se contente juste d'adapter une histoire sur grand écran, mais sans y jouer de son grain de sel. Là où un Spielberg tentait de s'approprier l'univers du Bon Gros Géant avec sa réalisation, où Tim Burton nous sortait un film grandiose comme il sait le faire, l'adaptant à son univers à lui, ici c'est pas vraiment le cas avec Sacré Sorcière. Et on a juste le droit à une adaptation fainéante. En bref, rien qui sorte de l'ordinaire et qui nous donne plus envie que ça de le regarder. Un film qui, en plus de ça, fait un peu l'impasse sur les effets spéciaux. On y retrouve en effet une CGI maladroitement utilisée et qui, un peu trop présente à mon goût, se fait remarquer et nous ferait même jusqu'à regretter Stuart Little sorti en 99. Sacrée Sorcière ne laissera pas de souvenirs mémorables après son visionnage. Et c'est bien dommage, surtout quand on sait les personnes qui sont attachées au projet. Que ce soit pour ses personnages, sa réalisation ou bien même ses ambitions qui sont revues à la baisse, c'est un film qui reste somme toute passable, mais une fois regardé, je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt à le revoir. Ce qui est assez dommage, vous en conviendrez, quand on sort un film juste en DVD et en Blu-ray. On compte les regarder plusieurs fois si on les achète pour les avoir en support physique. Et ben là, c'est pas le cas. Voilà tout donc pour Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis. Je pense en avoir assez facilement fait le tour dans cette critique. Pas besoin d'aller plus en profondeur. Et je vous conseillerais plutôt de garder votre argent pour la Snyder Cut. Si la vidéo vous a plu ou vous a aidé d'une quelconque manière, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou même à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.